amis. Il est exactement 10h. Terrasse du Fraîcheret, il y a du beau linge. R30TX, pardon les amis, R30TX. Donc c'était le, je crois que c'était le 6, c'était le 6 cylindres. R30TX, c'est très très rare. Oui, alors c'est, moi j'aime bien les tough, pour vous dire. Parce que regardez-moi ça. Ah là là, c'est génial. Avec cette colorie, avec ces coloris là, le cuivre qui ressort, on est sur quoi là? On va regarder ça. On est sur une Peugeot les amis. Alors automobile Peugeot Paris, elle est tout bonnement incroyable. Hein. C'est incroyable. Elle est splendide. Regardez avec la manette, la manivelle. C'est fou. Ça c'est fou. Donc c'est une 4 places. Je sais que je dis beaucoup les amis, c'est un toc de langage, pardonnez-moi, mais c'est comme ça, c'est incroyable, elle est incroyable, je sais pas à quoi servent ces bonbonnes. Deux canapés qui sont mis en incroyable. C'est génial franchement. Atypique. Dans le soleil comme ça. Magnifique. Les amis, c'est une Dodge. Je ne choisis pas du tout ce modèle. Regardez-moi ça. Incroyable. Twin Turbo. Wow. On va plus tard alors. Je vais vous faire un petit panel là. Oui, Pierre. Donc Triumph GT6, Triumph. Murena, Jaguar, MG, BMW, les amis, ça change un petit peu de Vincennes en ancienne, il y a d'autres types de véhicules, un autre panel quoi, le site aussi est aussi très sympathique, elle est géniale, regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas du tout. C'est une. Donc les amis, nous sommes sur une pépite. Oui, j'imagine. Nous sommes sur une pépite, nous sommes sur une Aston Martin. Alors je vous avoue que sur le coup, là, je lisais le nom sur l'emblème et je n'avais pas bien percuté. C'était une Aston Martin. Regardez, voyez, l'emblème est complètement différent. On voit bien les ailes. Hein, mais sur le coup, j'ai pas tilté. Elle est incroyable. On va aller la voir de plus près, le tableau de bord, tout ça, mais je voulais vous la faire voir dans sa globalité. Si on pouvait trouver le propriétaire, ce serait fort. Alors, il y a une patine sur les fauteuils, sur le cuir. Il y a du beau linge. Hein.
Regarde le parking de Carrefour. Regarde, tu vois le nombre de bagnoles qu'il y a autour. Donc je continue un peu le panel, hein, Lotus, Porsche 914, Jaguar type. Jaguar type C, les amis, que j'ai filmé il y a quelques années, toujours magnifique. Donc là ici on en a la Dodge. D'accord, venez avec moi, Aston Martin les amis, orange. Excusez-moi, c'est une couleur d'origine? Non. Ah oui, je me disais bien. V8 Aston Martin DBS. Les amis, bonjour. Je vous présente un collectionneur qui s'appelle Kiss. Je prononce peut-être pas forcément bien, mais j'essaie de m'entraîner, mais j'ai eu un peu de mal. Et okay. Kiss, vous êtes venu avec votre Bentley. Et c'est une Bentley, vous m'avez dit, en off, que ça fait 30 ans que vous l'aviez. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modèle, Kiss? Le modèle, c'est une voiture qui était créée avant la guerre. Avant-guerre. Dessinée avant la guerre. Juste avant la guerre. Donc, ce n'était pas commercialisé avant 1945. D'accord. Mais c'était testé pendant la guerre. Dans les cartons. Donc, c'était utilisé par le Premier ministre, par exemple, en Angleterre. Et puis après, c'était commercialisé comme Mark 6. La première voiture, c'était Mark 6. Ça, c'est une Bentley Mark 6, c'est ça? Non. Mark 6, c'est la première voiture. Et ça. Ça a duré 5 ans avant qu'ils ont réalisé que le coffre était trop petit. D'accord. C'est les gens qui avaient l'argent pour dépenser 5 fois plus qu'une très bonne voiture, qui est le cas maintenant avec Bentley. Ça coûte 5 fois plus qu'une bonne voiture. À l'époque, c'était pareil. Ces gens-là avaient des valises. Oui. Donc il fallait un coffre. Voire des malles même. Mais les Anglais sont rapides, hein, donc ça a pris 5 ans. Pour réaliser qu'ils ont besoin d'un coffre plus grand. Et j'ai rencontré la personne qui a créé cette voiture, qui s'appelle John Blatchley, qui a allongé la voiture. Et la voiture est maintenant à 5 mètres. Et ça, c'était commercialisé entre 52 et 55. Et celle-ci, donc, est de quelle année celle-ci? 53. 53. Ah, donc le modèle, c'est une Bentley. Bentley, oui. Qui est fabriqué par Rolls-Royce. Vous savez, d'accord. Bentley était tombé en faillite en 1930. Après d'accord. avoir gagné Le Mans 5 fois. D'accord. Et puis c'était Rolls-Royce jusqu'à... Qui a porté à bout de bras Bentley. Qui a acheté Bentley. D'accord, très bien. Et ce modèle, ce modèle-là, il n'a pas un petit nom particulier? Il n'a pas un nom particulier? De quoi? Il n'a pas un nom? Name? Il n'a pas un M. Non, c'est Type R. Type R, d'accord. Type R. On va aller voir la voiture ensemble, si vous voulez bien me suivre. Donc, on est quand même sur une... Oui, on est sur une voiture qui est très statutaire. C'était les voitures des reines, des rois. Est-ce qu'il y a eu des reines ou des rois qui ont roulé avec, ou c'était que la bourgeoisie anglaise? Non, dans ma voiture, il y avait Patrick Bruel et Chaim un jour. Ah bon, qui sont montés, oui, d'accord. Vous connaissez l'émission de Drucker, c'était Champs-Élysées. Bien sûr. Et j'avais Patrick Bruel et Chaim. Qui sont montés dans votre voiture. Donc on va la regarder un petit peu. Alors c'est des portes antagonistes. C'est-à-dire quoi? Elle s'ouvre comme ceci, ouais, oui, c'est oui, ça. Oui. Alors là, c'est même pas des portes antagonistes, comment on appelle ça, des portes suicides. Oui, c'est bien fait, c'est avec le cuir. Ça, c'est le cuir. Hein. Tout ça. Ah ouais, cuir et bois. De toute façon, c'est Bentley. Okay. Bentley, ça peut pas être. C'est so British, c'est obligatoire. Là. Mm. Et ça fait 30 ans que vous l'avez. Oui. Et vous êtes parti loin avec? Vous avez été loin avec? Je suis allé en Jordanie.
en Jordanie. Mais c'est quand même pas là. C'est... D'accord. Et... trois fois. Ah bon? Écosse. Non, je ne suis pas allé très loin. Non, non, je n'ai pas fait le tour du monde, quand même. Mais c'est quand même pas mal. Et donc, c'est en Jordanie, en Écosse. Donc. Et toute la Jordanie, oui. Et la voiture, pas de problème? Non. C'est une bonne voiture. C'est une très bonne voiture. Oui. C'est du solide. Ça, c'est les clignotants, c'est ça? Oui. Ça sortait avant? Oui, sémaphore, oui. Mais c'était changé. À l'arrière, on a mis, oui. On a mis des... Des clignotants, est-ce que vous voyez, Roger? Dans les années 60. D'accord. Alors, ce que vous me disiez, c'est qu'ils ont mis plus de coffres. Ce qu'on voit, c'est cette forme-là. C'est ça a été rallongé pour pouvoir, comme vous... Alors, je sais pas si vous allez voir, les amis. Ça a été rallongé pour que les gens puissent mettre plus de valises dans leur voiture, quoi. Oh, c'est incroyable. Donc, c'est une voiture qui est très fiable. Si vous êtes parti en Jordanie, vous avez pas... C'est une très... elle est très fiable, elle est... Ah, oui, elle est fiable, oui. Mais c'est bien entretenu. Dedans, j'ai des livres. J'avais un livre qui détaillait tout ce que faisait le propriétaire avant, pendant 30 ans. Le carnet d'entretien. Oui. Et, non, c'est plus qu'entretien. C'est tout ce qu'il faisait dans la voiture. Il a détaillé pendant 30 ans. Donc, il a même eu un accident avec un Mini. Mais alors ça c'est qui ça? C'est pas vous alors ça? Si? Ça c'est pas moi, non. Ça c'est l'ancien propriétaire qui avait la voiture pendant 30 ans. Et alors vous, il a eu 30 ans et vous l'avez eu 30 ans? Oui, c'est ça. C'est l'histoire. D'accord. Et moi j'ai continué l'histoire pendant 30 ans. D'accord, très bien. Et donc là, là j'ai cru comprendre que vous vouliez en séparer? Non, je ne veux pas le séparer. Mais pourtant elle est en vente. Oui, mais je vais me séparer si je trouve... Quelqu'un personne. Qui est intéressé? Moi ou la personne que... Oui. Qui tombe en amour pour votre voiture. Oui. Alors, vous voulez, je peux prendre la petite pancarte si vous voulez en vidéo, comme ça, si quelqu'un est intéressé, les amis. Oui. Si vous êtes intéressé par une Bentley, ben, n'hésitez pas à appeler. Voici le 06. Et vous pourrez converser et peut-être tomber d'accord sur un tarif, quoi. Oui. On fait le tour ensemble, on continue. Oh, est-ce qu'on peut voir le moteur? C'est possible? Ouais, là on voit que ça se claque, hein, c'est du costaud là. On est sur quel type de moteur? C'est un moteur qui a 4 litres et demi. 4 litres 5? Oui, 4 litres 5. Regardez-moi ça les amis. Ah oui, waouh! Je ne m'attendais pas à ça, c'est que ce filtre, c'est là. Le filtre. Filtre à air, ça? Oui, c'est pretty propre, oui. Ah ouais, je vois, hein, ce que je vois. Et vous savez ce que c'est? Attendez, je le regarde un petit peu comme vous. Non, vous allez me le dire? C'est avec ça, il y a un pédale pour graisser toute la voiture. Et ça, il y a 26 points. D'accord. On pédale, et en fait c'est l'huile, on dit graisser, mais on sait. D'accord, c'est oui, on lubrifie. Qui va partout sur les ressorts à l'arrière. Partout. D'accord. Et puis si ça marche, ça évite que les pièces s'usent. Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a un système d'auto-lubrification de certains points. Qui vient de Hispano-Suiza. C'est un système utilisé par Hispano-Suiza. Ouais, très grande marque Hispano-Suiza. Ah, elle est vraiment très jolie. Alors c'est quoi, Royal Club? Le club de Jordanie. Eh oui, d'accord. Je suis allé en Jordanie. Donc c'est vraiment une voiture qui est très fiable. Qui est capable de faire des grandes distances. Est-ce que je peux ouvrir là? Je peux ouvrir? Oui, oui, Maroc. Escapade au Maroc. Maroc. Ah oui, 2005. J'aurais voulu faire voir l'intérieur un peu plus. Les fauteuils sont super. Hein. C'est d'un moelleux, les amis. Je vais essayer de vous prendre un petit peu le tableau de bord. Dans sa globalité, si je puis dire. Ça sent le cuir, le bois. Les petits pare-soleil. Bon, de toute façon, c'est d'origine. Toi, c'est d'origine. Ah bah oui, ah ouais, non, mais elle est magnifique. Elle est en très bon état. Hein. Oh. Oui, bah écoutez, elle est dans son jus, mais c'est un beau jus en tout cas. Regardez,
C'est vraiment un canapé. Regardez les petits miroirs à l'arrière là. Waouh. Oh fou là là, c'est fou. C'est des canapés à l'arrière. C'est un canapé. Il y a pas. Non, mais c'est fait pour les gens à l'arrière, pas pour le conducteur. Oui, bien sûr. Contrepartes, les amis. Oui, c'est fait pour le maître. Oui. Elle est vraiment superbe. Hein. Vous pouvez monter dedans si vous voulez. Ah bah c'est gentil, merci. Regardez-moi ces contreportes, les amis. Bois, cuir. Donc je vais monter à l'intérieur. Les amis, je suis à bord de la Bentley. Le fauteuil m'a aspiré. Oh quel confort, les amis, c'est moelleux. C'est fait vraiment fauteuil club. Vous avez les plans des années. Ah, c'est pareil. Oui. Les années 60. Tout est d'époque. Tout est d'époque. Hein. C'est magnifique. Regardez les amis. Il y a un radio à lampe à l'avant. D'accord, radio à lampe. Et ça, c'est le monsieur John Blatchley qui était assis où vous êtes assis dans la voiture. Un jour, 2006, je pense. Il est mort maintenant. Et c'est lui qui a fait cette voiture, qui a fait le Silver Cloud. Et qui a fait le Shadow après. D'accord, donc c'est quoi? C'est un designer? Designer, oui. D'accord. Et c'est quoi ça? Ça, c'est une tablette. Je vous fais travailler, hein. Waouh, regardez les amis. Non, mais c'est la qualité des. Oui, on sent qu'on a bien vu que quand ça arrivait en butée, ça tapait. Oui, bon, écoutez, vous imaginez bien qu'une Bentley de cette époque, tout était. Mais bien sûr, même maintenant d'ailleurs. C'est Rolls Royce, en fait. Rolls Royce, c'est le. Oui. C'est le fabricant, c'est le Rolls Royce. Oui. Ils ont pris la marque Bentley. D'accord. Et là, c'est. Donc, il y a un toit ouvrant ou non? Oui, un toit ouvrant. C'est super. Les miroirs de courtoisie. Ça, c'est d'origine. Je ne veux pas le garder, je ne veux pas le changer parce que c'est d'origine. C'est les poussières des années 50. Et qu'est-ce que c'est, ça, ce petit. Ça, c'est pour le cigare. C'est allume-cigare, oui. Les amis, je peux le regarder? Regardez les amis, allume-cigare. Ah oui, c'est grand luxe. Hein. Donc, de chaque côté, non, il n'y en a qu'un. Ici, de l'autre côté, il n'y en a pas. Il n'y a pas? Non, là, il n'y a pas, c'est que d'un côté. J'ai jamais fumé un cigare. J'ai... Oui. C'est pour Winston Churchill. Franchement, c'est un pan de l'histoire. Quand vous êtes à l'intérieur, bon, on va... Mais c'est confortable. Hein. Oui, ouais, mais d'ailleurs, quand on s'assoit, on est. Wow. C'est vrai que. C'est moelleux. On est bien. Franchement, c'est tout est beau. Regardez la petite lumière. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de travail sur le verre. Et puis, c'est un verre, c'est pas du plastique, bien sûr. Voilà, les amis, bah, écoutez, c'est extraordinaire. Ça marque une époque. C'est empreint de nostalgie. Les amis. Nous sommes en face d'une Bugatti Type 35. Magnifique. Bonjour. Elle est magnifique. Regardez le Mondial, les amis. C'est génial. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.